Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va ce matin. Je vous avoue que là on est dimanche donc je suis assez fatiguée. Pourtant je me suis levée assez tard. Du coup ce matin je vous ai pas trop filmé parce que franchement j'ai rien fait à part bosser, prendre mon petit café et bosser mes cours parce que mes partiels elles arrivent très très bientôt. Donc il faut que je bosse tout ça. Il est midi 30, je pense que vers 13h30, je vais rejoindre Maëva, on va aller au sport un petit peu pour se bouger. J'essaye vraiment, vraiment d'aller au sport assez souvent. Je vais pas vous mentir que là, avec l'hiver qui arrive, le froid et tout, c'est un peu compliqué pour moi. Mais voilà, moi je me force pas. Je suis vraiment dans un mood où j'essaye vraiment, vraiment de, voilà, d'y aller quand j'ai envie, etc. J'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie de... Voilà, quand vous n'avez pas envie, enfin moi je vous conseille en tout cas de ne pas vous forcer. Donc là, je suis bien motivée pour y aller. Donc voilà, je vous montre de plus près vite fait mon ensemble. Donc là, il y a le trou derrière, je kiffe, kiffe. Et voilà, donc je vous mettrai tout sur Shopmy, les liens de l'ensemble. C'est vraiment les ensembles avec lesquels vraiment je kiffe m'entraîner, je me sens bien dedans, confiante, ça prend, enfin ça gagne tout, c'est vraiment top, top, top. Voilà, là on est en train de faire une petite course pour ce soir. J'ai pris de la salade aussi pour manger avec. Et là on est en train de prendre la pâte feuilletée. Tac. Alors je vous montre très rapidement ce que j'ai pris aux courses. Je bois lait de noisette et lait avoine. Mais celui-là franchement il est super bon, c'est celui de chez Auchan Bio. Il est très très bon et en plus il mousse, donc moi j'adore. J'ai pris pour ce midi, je vais me faire très rapidement des pâtes je pense, parce que j'ai trop trop faim. Et que j'ai un peu la flemme de cuisiner. J'ai repris des courgettes pour ce soir parce que comme je vous ai dit avec Maëva, je pense qu'on va faire une tarte aux légumes avec de la salade. Donc j'ai acheté de la salade aussi, de la mozzarella pour mettre par-dessus et un peu de gruyère pour mettre dedans aussi. Donc voilà, c'était des courses très très rapides. Je voulais vous montrer aussi cette petite bougie que j'ai achetée hier quand j'ai fait un tour au Vieux-Lyon. Elles sont trop trop bonnes. Et c'est une marque qui essaie d'utiliser moins de produits chimiques dans les bougies. Parce que c'est vrai que c'est hyper dangereux entre guillemets. Donc du coup j'ai trouvé cette petite bougie cardamome ambrée. Voilà, si vous êtes de Lyon et que vous passez dans le Vieux-Lyon, je vous conseille de les acheter. J'aime trop utiliser ces bougies là pour le soir. Genre je l'allume tout le temps et ça fait une petite ambiance un peu genre posée. Donc franchement je kiffe. Comme je vous en parlais tout à l'heure, j'ai fait un shop my, donc c'est où je mets vraiment tous mes favoris. Donc là vous pouvez retrouver, je suis en train en fait de mettre à jour et donc de rajouter chaque jour ce que je vous montre, ce que j'aimerais avoir. Potentiellement j'ai mis aussi si vous voulez des idées pour Noël. J'ai aussi mis ce que j'ai porté à Milan parce que j'ai eu beaucoup de messages sur Instagram, sur les refs. Comme je vous ai dit, je suis pas très bonne, il faut vraiment que je m'améliore. Mais voilà, il y a tout sur mon Shop My. J'ai également mis mes skincare, etc., etc. Donc ça, c'est tout ce que j'utilise. Et je peux faire aussi des choses dont j'aurai envie plus tard. Ou des gift guides, etc. Bon là, du coup, on a coupé tout ce dont on avait besoin. On a fait courgettes et carottes et après on va utiliser la pâte feuilletée et on va faire le mélange pour faire la quiche. Tac. Après avoir coupé les légumes, on les a assaisonnés donc avec du poivre. Ça c'est un mélange de sel et chili, donc c'est un peu épicé. De l'origan et un tout petit peu d'huile d'olive.
Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, il est 11h, c'est vrai que je me suis levée assez tard. C'est quelque chose que j'essaie vraiment de changer parce que plus je grandis et plus je me rends compte que vraiment quand vous vous levez tard, vous perdez vraiment votre journée. Donc j'essaie vraiment de travailler sur ça, mais c'est assez compliqué parce que je dors énormément. Enfin bref, du coup aujourd'hui j'ai pas cours. Donc je suis restée à la maison, il fait vraiment vraiment pas beau dehors. Donc je me suis un peu habillée quand même. Mais du coup je pense que je vais pas sortir sauf si je me motive à aller chercher mes vitamines et ma chlorophylle. Ça m'a vraiment apporté de bonnes choses, je me sentais bien, ma peau elle était hyper soft, j'avais aucun bouton etc. Même si j'en ai pas beaucoup. Ma peau était vraiment top, donc je veux vraiment recommencer. Ça vous permet d'avoir moins de problèmes de digestion, moins d'acné, et surtout je le prends pour l'hiver parce que ça renforce vraiment le système immunitaire. Enfin bref, donc du coup le matin, c'est vrai que d'habitude je fais chlorophylle, vitamine C, et j'essaie de me faire une grande jarre d'eau avec du citron pressé. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo complète de ma morning routine avec les suppléments que je prends, les petits déj souvent que je prends, et comment je vais me préparer un peu pour l'hiver pour bien renforcer mon système immunitaire et rester un peu énergique. Ok, alors ça les gars, c'est le meilleur thé pour un peu la vibe de Noël. J'ai acheté l'année dernière en Angleterre et littéralement on l'a bu que pour Noël, et là on arrive un peu dans les périodes, donc voilà, ça peut être aussi une idée de cadeau je pense, si vous avez des manques d'idées de cadeaux, si vous avez des trous un peu, je pense que ça peut être une bonne alternative d'offrir pour les personnes bien sûr qui aiment le thé, des thés de Noël. Hello, j'espère que vous allez bien ce matin. Pour ma part, ça va. Ce matin, je ne vous ai pas trop pris avec moi parce que, comme je vous ai dit hier, je suis allée en cours. J'ai eu une petite présentation et franchement, ça s'est super bien passé. Donc, je suis trop contente. Je pense qu'on a bien réussi. Donc, ça, c'est trop, trop cool. Du coup, là, je vais repartir. Je voulais vous montrer un peu ce que je fais avant de repartir. Donc là, j'utilise, moi, ce parfum Acqua di Parma. Donc, c'est le Rosa Nobile. Je le mets vraiment, genre, tous les jours. Et je vous avais dit, il me semble, dans les vlogs précédents, que je mélange souvent mes parfums avec d'autres parfums. Je ne sais pas si vous faites ça. Mais en tout cas, je kiffe. Donc, soit je mets l'interdit de Givenchy, soit je vais venir mettre Romance, que j'ai acheté à Dubaï. C'est du oud, un peu à la vanille. Donc voilà, je mélange ça. Demain, on va à Paris. Du coup, j'amène ma mère avec moi. Donc je vais vlogger ma petite journée. Et je pense que je le mettrai dans ce weekly vlog là. Parce que j'ai pensé à faire une journée à Paris. Mais je pense que c'est mieux de vous le mettre dans mon weekly vlog. Donc on a rendez-vous à Boohoo. On a rendez-vous à Pretty Little Thing. Donc au showroom. Les deux, et je vais vous faire un peu de contenu là-bas, choisir des pièces. Le midi, on va manger et après, on retourne à Lyon, donc c'est vraiment très très express. Quand j'ai des rendez-vous sur Paris ou des choses à faire sur Paris, c'est vrai que vu que moi, ma vie est ici et que j'ai beaucoup de choses à faire ici, j'ai mes cours, j'habite ici, c'est vrai que quand je vais à Paris, j'y vais vraiment que pour une journée, je reste pas le soir. Je vous ai pas montré ma petite tenue d'ailleurs du jour pour aller en cours. Alors j'ai mis un pantalon qui vient de chez Zara, c'est ancienne co, donc je pourrais pas vous le link. Ensuite j'ai mis ce pull comme ça, un peu crop, enfin que j'ai mis de façon crop. Ça je l'ai acheté l'année dernière aussi à Zara, mais voilà, je pourrais vous mettre des dupes ou des inspirations un peu côtelées. Je kiffe, j'adore, et ce que j'aime trop avec ce pull en fait, c'est qu'il remonte un peu. Donc genre vous avez un peu style col roulé, donc j'adore. Et ce manteau qui vient de chez Pretty La Vie, très très cosy, j'adore la matière. Un peu comme ça là, je kiffe, un peu effet mouton. Je pense même rajouter cette écharpe parce que là il fait assez froid dehors. Je crois qu'il fait peut-être 9 ici ou 8, un truc comme ça. Donc je vais peut-être rajouter l'écharpe. Bon du coup je pense que je vais garder l'écharpe parce qu'elle m'a l'air quand même... pas mal avec l'outfit. Et là je pense que vous voyez mieux
La ressemblance des beiges, c'est pas exactement le même. Et moi, ça me dérange pas du tout de mettre des palettes de beige. Et je vous ai pas dit, l'écharpe, elle vient de chez Primark. Je l'ai achetée l'année dernière en Angleterre, il me semble. Et franchement, si vous cherchez des écharpes, moi, celles de Primark, je les aime trop. Elles sont pas trop chères, elles sont de bonne qualité. La lavage à la main, par contre, ou doux, etc. Pas à 60 degrés, quoi, mais du coup, vraiment parfait. Et franchement, la qualité, elle est vraiment pas mal. D'ailleurs, pour les cours, je prends ce sac-là, c'est le Marc Jacobs. J'ai pris la grande taille, enfin on m'a offert la grande taille. Il est vraiment bien, il y a beaucoup de place dedans. Moi je mets mes lunettes, mon ordi, des fois je mets des cahiers, des fois je mets des trucs ou des bloc-notes. Donc le grand il est vraiment 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 bien. Et je pense que c'est assez bien pour les cours. Et franchement il est super joli, enfin moi en tout cas je kiffe en beige. Je sais qu'il y a d'autres coloris, mais moi j'avais choisi beige. Et je trouve que ça va parfaitement avec mon style. Donc voilà. De la pharmacie et du coup je suis allée acheter ces deux paquets de vitamines. Donc j'ai pris la marque UPSA avec de l'acérola. J'ai essayé de prendre quelque chose d'assez clean, donc il me semble qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Il y a poudre de jus d'acérola, sucre de canne, amidon de riz, arôme naturel de fruits rouges et arôme naturel de citron. Donc voilà, j'ai essayé de prendre la composition la plus clean possible et c'est labellisé bio. Hello, j'espère que vous allez bien ce matin. Donc là, on est sur le départ pour Paris. On est passé à Starbucks pour prendre un petit café pour bien commencer la journée. J'ai pris un vanilla latte au lait d'avoine. Je prends tout le temps Starbucks. Là, on attend le train. Normalement, il est à l'heure. Il n'y a pas de retard. Donc parfait. Dès qu'on arrive à Paris, je vous amène avec moi. J'ai trop, trop hâte de passer cette journée à Paris. Même si ça va passer un peu vite, ça va quand même être... au restaurant. On est arrivé à Paris il y a 30 minutes, mais je ne vous ai pas trop filmé parce que on a pris le métro, il y avait plein de monde, on a marché, il pleut un peu, donc je ne sais pas si vous avez vu. Il fait pas très très beau, mais je pense que ça ira mieux cet après-midi. On mange libanais, donc je vous montrerai mes plats et je vous dirai si c'était bon. On a super bien mangé. Là, on est sorti du restaurant. Ça s'appelait Chez Sophia. C'est dans Paris 9e, il me semble. Et franchement, elle a trop bien mangé. Moi, j'ai pris kefta. Et ma mère, elle a pris shawarma avec plein de trucs. On a pris des légumes, bah, comme je vous ai montré juste avant. Et franchement, c'était très copieux. Et donc là, on va à Préti. J'ai essayé cette première petite veste, elle est assez sympa, crop noir. Franchement, je kiffe et il y a un peu de fourrure en haut. Donc ça, c'est la première veste que j'ai essayée. Deuxième option, c'est cette petite fourrure. Elle est trop trop mimi. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus oversize. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc un peu serrée à mon goût. Même si elle est très très jolie, je trouve que c'est un peu serré. Troisième option, c'est celle-là. Petite fourrure, je crois que c'est ma préférée, j'aime trop. Donc du coup, elle est pas crop, mais je pense que j'aime bien. Très très jolie. J'aime beaucoup. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, pas mal. Voilà, cette option, donc c'est un petit pull qui est ouvert ici, il est grave original.
et le bas qui va avec. Le truc, c'est qu'il est un peu long pour moi. Là, ça se voit pas trop, mais il est un peu trop long. Donc, je sais pas trop. Petit café kitsune. Moi, j'ai pris un petit white mocha. Non, white matcha. Je vais essayer. J'adore le matcha, mais white matcha, je sais pas trop ce que c'est. Et ma mère, elle a pris un mocha. Alors là, c'est tout bon. J'ai pris mon petit sac de chez Pretty. Je pense que je vous ferai une sélection à la maison. Je vous montrerai ce que j'ai pris. J'ai pris 3 articles. Donc, je vous ai mis les essais juste avant. Mais bon, je vous ferai un petit haul, je pense, à la maison pour vous montrer. Et là, on va direction Bouhou, le showroom. Donc ça va, c'est pas trop loin d'ici, je crois. Et là, on est devant le truc de Emily in Paris. Vous savez où ils ont filmé Emily in Paris? Et j'aime trop cette cour à Paris, c'est trop joli. Et ce café, enfin bistrot, il est trop beau, j'aime trop. My word is bond, we don't spit no lies. Sortir du showroom Bouhou. Alors j'ai pu choisir aussi quelques pièces que je vous montrerai, et du coup je vous ai fait un peu d'essai juste avant. Je suis vraiment partie sur des tenues de fête, parce que du coup ils avaient beaucoup de tenues de fête. Donc du coup j'ai un peu choisi des tenues un peu fête tout en restant noir, parce que voilà, moi le noir c'est ma couleur. Donc c'était super sympa. Et là je pense qu'on va faire un petit tour dans Paris. On va peut-être aller voir les vitrines. Vous savez, aux Galeries Lafayette, les vitrines de Noël, parce qu'ils les ont mises. Après, on a le train à 18h30. Donc je pense qu'on va pas tarder. Donc voilà, on va refaire un petit tour. Et là, on est dans une rue d'ailleurs qui est trop mimi. Regardez comme elle est jolie, la rue où on est. Genre, il y a plein de petits cafés, petits trucs. Trop joli. Hello, j'espère que vous allez bien. Ce matin, moi ça va. Je suis de retour à Lyon, à la maison. Je me suis fait un petit chocolat chaud pour aller bosser. Je pense que je vais vous montrer du coup, vous faire un petit haul de ce que j'ai pris hier. Franchement, c'était trop cool. On s'est hyper amusé avec ma mère, elle était trop contente. Moi aussi, c'était trop cool. On a eu du beau temps. En plus, comme vous avez vu, il y avait les décorations de Noël qui s'installent petit à petit à Paris. Donc si vous avez le temps de faire un tour à Paris, en tout cas avant Noël, franchement allez-y, parce que c'est vraiment top. Alors du coup, je vous ai préparé une petite sélection. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors pour commencer, du coup, j'ai pris un petit sac de chez Miss Pap. Donc très mimi. Donc, il est vraiment très mimi. J'adore le style et je pense que ça ira très bien pour, pour aller au resto. Ensuite, j'ai pris un petit haut très festif. Derrière, il est dos nu comme ça. J'ai hâte de le mettre. Je vois bien ça avec un look total, look noir. Et j'ai pris une robe, donc pareil, très festive. Là, vous avez une ceinture ici. Donc voilà, alors il restait que du 38, je pensais que ça allait être trop grand, mais je l'ai essayé et franchement elle est très sympa. Ensuite j'ai pris ce manteau, donc très confortable, très hiver, hyper doux, il est vraiment super doux. La qualité elle est vraiment top, genre vraiment le simili il est vraiment top. Il est très chic, en même temps il porte très chaud parce que je l'ai mis. Du coup aujourd'hui, et il porte très chaud.
Ensuite, avant-dernière pièce, j'ai pris ce pantalon en cuir à couture visible. Donc voilà, très très sympa. Et il est large en bas. Moi, je préfère les pantalons larges en bas. Et en dernière pièce, j'ai pris ce petit sac trop trop mimi. Il est trop trop beau. Je sais pas si vous aimez. J'en ai aucun comme ça. Et si vous vous habillez très simple, très chic avec ça, je trouve ça très très élégant et très très sympa. Donc voilà pour ma petite sélection du jour. J'ai hâte de les porter. Comme ça, vous verrez mes looks sur Insta. Je vais essayer de vous link les pièces que j'ai sur ShopMy. Donc allez voir si ça vous intéresse. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Parce que j'ai vraiment vraiment envie de vous partager tout ce qui arrive. N'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup de vlogs de Noël qui arrivent. Donc vraiment, vraiment, j'espère que ça va vous plaire et je vous fais plein de bisous.